Bonjour à tous, nous voici pour la semaine du 7 octobre 2024 pour nos amis Gémeaux. Alors, regardons tout de suite ce qu'il en est pour vous, amis Gémeaux. On va faire le tirage à peu près de la même façon que ce qu'on faisait d'habitude. Donc là, c'est votre état d'esprit pour la semaine. Là, c'est l'affectif. Là, c'est donc le financier. Là, c'est le professionnel. Et enfin, ça, c'est votre atout. Alors, vous le voyez, cette semaine, amis Gémeaux, vous serez dans l'échange. Alors, quand on est un Gémeaux et qu'on est déjà naturellement dans, on va dire, tout ce qui est verbal, communication, finalement, ça vous est assez agréable. C'est-à-dire que vous êtes finalement assez bien dans vos baskets cette semaine parce que vous allez être obligé d'être dans l'échange et la médiation. C'est quelque chose qui vous est vraiment propre. Donc voilà, donc une bonne semaine au niveau des échanges et de la communication. Au niveau donc affectif, vous aurez le battleur. Le battleur, c'est la première lame du tarot. C'est celle qui commence les choses. Donc peut-être que certains d'entre vous commenceront une relation, un nouveau travail, un nouveau projet. Il y a comme ça en fait des débuts. Vous serez dans les débuts. Alors ça peut être aussi, comme c'est dans l'affectif, hein, ça peut être le début d'une relation tout simplement. Peut-être que certains d'entre vous en fait, vont commencer à côtoyer d'autres personnes, un nouveau cercle d'amis. Voilà, il y a quelque chose comme ça de l'ordre du début, du commencement dans l'affectif. En ce qui concerne donc, vos finances, il va falloir que vous fassiez des transformations, que vous soyez attentif. Hein. Vos finances vous imposent en fait une certaine rigueur. Il va falloir en fait que vous passiez peut-être à un autre moyen quelque part de vous financer ou un autre moyen. Il va falloir quand même mettre un petit peu les choses à plat. Ça ne veut pas dire que c'est catastrophique, loin de là, mais il va falloir peut-être que vous changiez votre gestion, tout simplement. Au niveau professionnel, il y a la lune. La lune s'indique, alors, si vous faites un métier créatif, c'est extrêmement bon, puisque justement, la lune, c'est toute cette phase inspirée, intuitive. Donc, ça vous permet de prendre les bonnes, évidemment, les bonnes décisions. Mais la lune, ça peut être aussi des moments, en fait, de haut et de bas. Il peut y avoir des moments au cours de cette semaine où vous vous sentez vraiment très, très positif par rapport à votre travail ou des moments, ça va être un peu l'inverse. Voilà, donc, alternance de haut et de bas dans le travail pour vous, amis Gémeaux. Mais votre atout, il est quand même très positif. C'est le soleil, c'est la chaleur de vivre, c'est peut-être les sorties, les amis. Voilà, donc il va y avoir un petit coup supplémentaire, un petit supplément d'âme qui viendra justement du fait que vous allez être heureux avec votre famille ou passer des moments assez chaleureux avec vos proches ou vos amis. Donc voilà, ça va permettre justement d'un peu équilibrer cette semaine et vous permettre finalement de passer, je pense, une très bonne semaine. Voilà, bah écoutez, je vous ai tout dit, donc je vous souhaite la meilleure semaine possible et à très bientôt!